dans les mêmes des temps et des circonstances. Ton Dieu a permis que papa t'aime qui doute Dieu et qu'en ce qui est notre aide, nous puissions l'appeler dans sa demeure et te prier, oh Dieu, de recommencer cet instant. Que tout se passe par ton esprit. Que tout se passe par ta voix. La telle meilleure est notre volonté. La telle meilleure est notre vie. Oh, attention. Oh, non. On va pratiquer Christ. La porte est notre vie. La soumettre est notre nonce. En attendant, oh, non. Qui est notre vie dans le cimetière. Non, ce est ça la main. La sainte. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Donne-nous ta paix qui permet au Dieu que malgré cette situation, nous puissions expérimenter ta paix. Ton esprit de paix. Nous soit du Père éternel au nom puissant de notre Christ Jésus-Christ. Amen. Attendons rapidement. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Bien-aimé David, ce n'était pas n'importe qui, c'est le grand roi d'Israël. Il a remporté plusieurs victoires. C'est par lui qu'Israël est s'étendre. Mais face à la mort, à l'ombre de Roua, à l'ombre de Goliath, à l'ombre de Nengé, mais face à la mort du poteau de Roua, il s'incline. Aïe, si moi, si moi, là, aïe, la donc, elle est dans Zéla, va tout yonso. Bien aimé, on a la nani en go, un jour de Koufaka. On a la Roua, on va Koufaka. On a la mbongo nengé ni de Koufaka. On a la pasteur au Koufaka. On a la nani, nani, un jour tu mourras, un jour je mourrai. Bien aimé, il y a un qui m'a remonté, on se prépare. Ata Okimi, Ata Okepoto, je connais quelqu'un de là. La tandi, Awa Yé, ça nous soit en amarre. On a la pandémie dans la pandémie. Jésus lui dit. La résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra. Moutounion se royo, à la bomboy. Ce qu'on dit, Melinda, à ta quoi couche, à quoi continuer à vivre. Bien aimé, est-ce que la vraie vie, c'est pas le souffle de vie, mais c'est d'avoir Christ dans sa vie. Attaque on a couffi, mais si on a yé bien de la donne à Yesu, il a dit que déjà, on s'est préparé avec Dieu maintenant. Dans la moulaïté, mais je vais vous demander vous qui êtes là. Yé va être, oh je me souviens. Dis à Yesu, à quel moment vous voyez papa, là, à Yamaka Yesu, on lui a parlé de Christ. Les problèmes aïe étaient, les problèmes aïe, donne ta vie à Christ. C'est la seule façon d'affronter la mort avec Dieu. Alain, on est sous les sobriquets des présupposés intimes. Il est né aux parents, le père. Son papa s'appelait Mavinga Foka Guillaume. Il nous a déjà quittés. Il est déjà décédé. Et la maman, c'est maman Mathia Bandambi Nabi Jacqueline, à qui est en vie. Papa Alain était du village Ponde d'Imbenza, dans le secteur de Boulanakou,
territoire de Tchela, province du Congo central. Bref, nous savons qu'il est de la nationalité congolaise. Étude faite. Maintenant ici que papa Alain Mavinga a fait ses études primaires à Kinshasa, à l'école primaire Joyeux Latin. Et les études secondaires, il a fait cela à la mission catholique Tumba. Comme profession, papa Alain fut un commerçant. C'est-à-dire, il a rendu de loyaux services, surtout à la brasserie Bras Congo. Il est né de quel... Il a laissé combien d'enfants? Retenons ici que papa Mavinga, qui vient de nous quitter, a laissé 3 enfants. Ils sont tous en vie. Voilà de façon un peu bref comment nous pouvons vous présenter celui qui venait de nous quitter en ces jours. Nous disons que son âme repose en paix. S'il vous plaît. Cher grand frère, nous ne t'oublierons jamais. Je vous remercie. Témoignage de ses enfants. Parce que vous savez que papa Mavinga avait 3 enfants. Donc il y a Bénédicte Mavinga, sa fille, qui voudrait lui rendre un dernier hommage. Quelques mots à toi, mon père, qui est parti trop tôt. Tu me manques tellement. J'aurais voulu te le dire avant que tu me montes en haut. Et j'avais prévu un discours pour te le faire le jour de ton anniversaire. Mais tu as préféré que je te fasse un adieu. Tu manques à nous, tes enfants, à toute la famille, et surtout à moi, mon papa d'amour. Quand je ferme mes yeux, je me vois toute petite sur ces jambes. Si je n'avais qu'un souhait aujourd'hui, tu serais en vie, papa. Dis-moi, est-ce toi là dans ce cercueil, celui que je sens quand ça ne va pas, est-ce toi dans ce cercueil, celui qui vient toquer à ma porte chaque 3 heures pour me demander si ça va. J'aimerais t'entendre me dire que tu es fier de moi, mon papa. Les mots sont grands, donc on prend. Tu as toujours voulu que je fasse un discours et que les gens prêtent attention à moi. Et maintenant, c'est à toi que j'ai fait ce discours. Que Dieu te protège et paix à ton âme. Tu restes dans mon cœur et jamais brûlera la flamme. Merci à toi, papa, pour ce que tu as fait pour moi et pour cette personne que tu as fait ce que je suis. Cependant, nous allons prendre le discours d'une autre de ses filles, Francine Mavinga. Non? D'accord. Et alors, ce n'est pas encore disponible. Alors, nous voulons savoir si maman aura une parole à dire par rapport à cet événement.
de fleurs. Nous allons demander à Maman Mathia. La famille Lombo.
Sur le chemin du paradis, formeront deux rangées, une de chaque côté, dans la compagnie à l'heure.
Sous na passe na douleur na kata libota oyo ma vinga nzambe na perte oyo importante et sami na libota oyo to bungisi papa to bungisi mwana to bungisi yaya to bungisi camarade to bungisi ndeko nzambe masusu nzoto epana yo pote lo ba eko ksa mateto za poussière to motema nzoto monima papa mukulu ya kufa ki seigneur to tiki libota la maboko non nzambe na cérémonie oyo Salete nzambe na sima kufa oyo liboto eza suna kimia pote pana yo to telebi nguya nyonso ya sima oyo to pamelo na kombo ne sumasia to sengi kimia yo nzambe e bon salibota oyo mama ya mama wa bungisi mwana na ye e biso nyonso bandeko oyo to bungisi papa ya amen oyo aza na bouquet de fleurs akoko bwaka oyo aza na mabili akoko bwaka mais gardez baloba parce que eza nzoto pamba moto nzambe asalizwaki ye Thank you.